Et re tout le monde, du coup, désolé, j'avais pas enclenché mon micro, je vous disais donc, désolé, je l'ai refait parce que j'avais pas enclenché le micro. Donc le troisième jeu, ça va du coup être Agony. Agony, du coup, on en parle beaucoup en ce moment parce qu'il était sur Kickstarter, il a réussi son Kickstarter et d'une jolie manière. Tout simplement, il demandait 66 666 dollars canadiens, il en a obtenu 182 642 avec du coup 3 926 backers. Pour ma part, j'ai contribué à hauteur de 43 dollars canadiens. Vous pouvez encore backer ce projet via le PayPal. Si vous backez à hauteur de 25 dollars américains, vous aurez une version PC. Si vous backez à hauteur de 35 dollars américains, vous aurez une version console. Dans tous les cas, si vous backez, vous aurez accès à cette démo. Cette démo, du coup, n'est pas publique. Il faut vraiment aller exclusif aux backers. Que vous dire de plus? Le jeu, du coup, est prévu pour sortir le deuxième quart de 2017 sur PC et console. Par console, j'entends Xbox One, PS4. Au niveau des buts qui ont été atteints, du coup, on aura l'Agony Mode, on aura le 3D Character Viewer, on aura l'effet multiple, on aura une édition VR et on aura un boss fight. A plus, MacPanel. Donc, du coup, pourquoi ce jeu a autant fait parler de lui, en dehors du fait qu'il soit sur Kickstarter aujourd'hui? C'est qu'en fait, tout simplement, le jeu a fait polémique, tout simplement, bah parce que il est très gore, il n'est pas à mettre dans les mains de tout le monde. Ça se présente du coup sous la forme d'un survival horror à la première personne qui se déroule dans les enfers. Et vous allez voir, et je vous préviens vraiment directement, ne si vous êtes quelqu'un de très sensible, ou alors si vous êtes quelqu'un qui est du jeune public, éloignez-vous de l'écran. Vous allez voir des choses qui vous plairont pas, je le précise vraiment. Et donc sans plus tarder, on va voir à quoi un petit peu ça ressemble. A priori, cette démo dure un petit quart d'heure. Mais il y a un système de collectibles. Oups, a priori. Ah non, c'est bon. Je vais quand même regarder. Hop, il y a des statues, il y a des acknowledge. Je vérifie juste un petit peu. C'est bon, c'est bon. Let's go. Mais je suis en train de voir qu'il y a un petit problème avec la capture du jeu. Ah bah non. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème avec la capture du jeu ou c'est moi qui bug ou il y a quelque chose? Non, c'est bon. Tout se déroule bien. J'avais l'impression qu'il y avait un problème au niveau de la capture de... Et donc voilà, agonie. Je me tais, je vous laisse profiter de l'ambiance. Ça commence bien à savoir que du coup, visiblement, avec ma manette, il y a des soucis. Parce que j'appuie bien depuis tout à l'heure sur. Ah bah voilà. C'est comme s'il était bloqué. Parce que j'appuyais bien du coup sur L1 et R1. Et visiblement, il a le contrôle de la manette de. De PlayStation.
Comme vous pouvez voir, c'est encore l'alpha. Il y a un cadavre ici, mais on ne peut pas leur parler dans la version démo, je crois. C'est ça. Dialogue not available in démo. Donc du coup, pour tout vous dire, à la base, j'avais backé le projet à hauteur de, du coup, de 33$. Et pourquoi j'ai rajouté 10$ de plus? Tout simplement, ils ont fait un petit marathon à un moment donné en disant pour que pour les gens en fait qui backaient de 10€ supplémentaires. Un jour bien précis, en fait, ils auraient leur nom. Il y aurait un cadavre qui porterait leur nom. J'ai trouvé ça sympa comme feature. Et donc, j'ai rajouté. On peut voir un petit peu à quoi ressemble. Par contre, j'ai l'impression que c'est pas fluide, ou alors je sais pas, c'est mon. C'est peut-être ma manette qui. Du coup, je le redis, vous pouvez le voir dès maintenant. C'est vraiment pas un jeu à mettre entre toutes les mains. Donc si vraiment vous êtes encore là, malgré le fait que, malgré les avertissements, vous pouvez encore partir, il n'est pas trop tard. Vous pouvez voir ici un arbre avec des mains. On voit du coup, non, on voit pas. Je... Ah, si, attends, là-haut. Statues and knowledge. Mais voilà. Ouais. L'idée c'est qu'on puisse planquer dans un corps comme ça pour éviter le démon. Là justement il me semble qu'il est bien à côté le démon si on l'entend bien.
Et donc je suis mort là. Normalement il y avait un moyen de le pousser, mais j'ai pas trouvé comment. Donc du coup on reprend le corps de quelqu'un d'autre et on continue. Donc je ne trouve pas comment le pousser, visiblement il y a moyen de le pousser, mais je ne trouve pas comment en fait. C'est moi qui dois être débile parce que dans toutes les démos que j'ai vues, il était poussé. Donc j'ai du mal à reprendre le contact. Merde! Je réussis pas à le pousser, c'est hallucinant quand même. Je dois être mauvais.